c'est un vrai choix, un choix d'accompagner les startups dans ces schémas pour trouver ses bons clients, et en particulier sur ces domaines de la maison connectée. Et on a besoin de l'innovation qui va trouver un vrai rupture dans les marchés, qui va permettre de trouver des nouveaux clients. L'intérêt de travailler avec des startups, c'est d'importer de nouvelles idées et ensuite de voir comment on peut en faire vraiment des best practices pour la traiter des pays où nous sommes présents. Ces échanges étaient constructifs. On a pu échanger directement avec des startups, avec les équipes magasins aussi, de manière à avoir différents points de vue qu'on a confrontés et qui nous ont permis de pouvoir identifier les différentes problématiques auxquelles nous sommes confrontés, mais surtout on avait des solutions à échanger ensemble. Les startups en fait ont pu mieux cibler leurs offres pour correspondre aux besoins de groupes tels qu'un groupe Fnac Darty ou Engie qui est présent. On a réuni autour de la table en fait un panel assez large, Fnac, Darty et Engie, à la fois le commerce, les services, le marketing, et des gens qui étaient vraiment proches des startups, proches de leur sujet, pour nous aider à définir les meilleurs profils.